RTL bouge. RTL matin. Éco, Menanteau. Pour tout comprendre sur l'économie, vous faites comme moi, vous écoutez Christian <laughs> Menanteau. Le coup près est tombé, Christian. La compagnie maritime SNCM est officiellement en dépôt de bilan. Ce n'est pas une surprise. Hein. Bah écoutez, ce dépôt de bilan, on l'attendait un peu comme on attend les grandes marées. Hein. Depuis des mois, le Transdev, qui contrôle 66% de cet armement, militait pour cette solution avec un argument très fort. C'est peut-être la seule et unique solution pour empêcher un naufrage pur et simple de cet armement. C'est d'ailleurs pour faire naître une éventuelle solution que Transdev et l'État, qui est partenaire à 25% de l'entreprise, ont exigé hier et sans aucun délai le paiement de leurs 117 millions de créances, une somme qui représente plus du tiers du chiffre d'affaires annuel du transporteur. Vous savez qu'au total... Depuis sa privatisation par Dominique de Villepin, cette entreprise aura coûté aux contribuables plus d'un demi-milliard d'euros. Plus d'un demi-milliard d'euros, ouais. je le répète. La SNCM n'est donc pas définitivement coulée Non, une procédure de redressement judiciaire va s'engager. Ça, c'est une étape technique. C'est pas encore la mise à mort, même si c'est vraiment le dernier canot de sauvetage. Parce que cette société, elle perd quand même plus de 20 millions d'euros par an. Le nombre de passagers et d'entreprises clientes s'est effondré de moitié. Hein, durant les dix dernières années, et au rythme un peu de la dégradation de ses services, il faut bien le reconnaître. Et cette entreprise, on sait maintenant, elle s'est sabordée avec une inconséquence à peu près unique dans les annales. Et pour l'avenir, c'est quoi le meilleur scénario bah, Ce serait une reprise par un amateur compétent. Mais là, il va falloir que les parties en cause, c'est-à-dire l'État, Transdev, les syndicats, la jouent très fine. Parce que la SNCM, elle est quand même dans des eaux très agitées, loin de tout abri. Il y aura certainement maintenant une vente aux enchères puis un plan social très rigoureux chez l'armateur, mais aussi chez les sous-traitants. Et durant cette période, ben, il va falloir garder les meilleures compétences et puis recréer, si c'est encore possible, un brin de confiance chez les grands clients. En clair, pour éviter la liquidation, il va falloir réussir un quadruple saut périlleux. Financier d'abord, en trouvant un nouvel actionnaire, social, avec de nouvelles équipes, industrielles, avec une optimisation des navires, et puis surtout juridique, il va falloir éviter... Les 440 millions d'euros d'amende qui ont été infligés par Bruxelles à cette compagnie. Vous nous dites quoi Qu'il lui reste quand même un atout ou deux quoi Oui, je crois que la Corbeille elle n'est pas complètement percée. La SNCF elle a une base portière qui est unique en Europe. C'est Marseille bien sûr. Elle a aussi un contrat de 10 ans de service public vers la Corse qui vaut 104 millions de subventions par an. C'est une belle petite cagnotte. Ces atouts maintenant, est-ce qu'ils suffiront à effacer la terrible Réputation de cette compagnie, bah c'est ça, c'est le point qui fera la balance entre le naufrage et une petite renaissance. Christian, un atout, un repère. Un, un repère, 4500, c'est le nombre de boutiques de prêt-à-porter qui ont fait faillite depuis janvier et c'est souvent dramatique dans le centre des petites villes. Et une toute petite note. Oui, 6 sur 20, un attelage absolument contre-nature entre l'UMP et les Verts au Conseil de Paris. Ils ont décidé de s'unir pour flinguer probablement la mer, mais surtout le prestigieux projet immobilier de la tour Triangle. Donc on est en train de muséifier la capitale. On ne peut plus construire un bâtiment moderne dans notre capitale.